Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de créer une application qui va nous permettre d'afficher les lyrics. Les lyrics, pour ceux qui ne le comprennent pas, c'est par exemple, vous avez un son, vous l'écoutez, vous voulez écouter lire les paroles en même temps. C'est ça qu'on appelle les lyrics, les paroles, par exemple, les paroles d'un chanson, voilà. D'un son de quelqu'un, d'un artiste comme ça peut être Warcheck, Yusundu, nos artistes nationaux. Comme artiste aussi, on pouvait citer John. Je ne sais pas, il y a MD, voilà, il y a pas mal d'artistes qui sont là, voilà, mais je vais rester sur nos artistes nationaux. Par contre, je vais au niveau de la démonstration, on va trouver, par exemple, quelqu'un, voilà, sur Internet et vouloir, par exemple, comme MHD, voilà. Ou bien Aya, je ne sais pas, voilà. Et on va essayer de le faire. Maintenant, première chose à faire, c'est d'installer notre package qui va nous permettre de faire le travail. C'est Lyrics, voilà, Zenus. Voilà. Bon, Zenus, voilà. Maintenant, une fois l'installation terminée, voilà, moi je l'ai déjà installé, voilà, mais vous patientez, vous l'installation va se passer. Ensuite, on va récupérer l'API. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas l'API, par exemple, bon, je vais recommencer à zéro. Renan, l'API c'est quoi? Ça va nous permettre de faire quoi? Exemple, nous, on va récupérer les informations à partir, par exemple, du site. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un a déjà fait tout le travail, on va emprunter là-bas. Par exemple, les informations, parce que nous on n'a pas une base de données pour mettre tous les lyrics là-bas. Voilà, maintenant on va emprunter les lyrics d'une plateforme qui s'appelle Zenus. Voilà, maintenant on va aller étape pour étape. C'est ce premier lien là. Vous écrivez juste Zenus comme ça et vous aurez le premier Zenus.com. Et maintenant là, vous allez venir vous inscrire. Bon, moi je vais utiliser mon compte Gmail pour m'inscrire. Voilà, maintenant je vais prendre ce mail là. Voilà, maintenant je me suis inscrit, on est là. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Par exemple, vu que je suis intéressé par l'API, comment on fait pour l'afficher? On va faire, oh, excusez-moi, on va réactualiser. Voilà, on va faire, par exemple, API-client. Voilà. Je vais vous laisser le lien au niveau de la description. Client avec S. Ah. Excusez-moi. Je vais laisser ce dernier lien-là au niveau de la description. Voilà. Par exemple, c'est API-client. Moi, je vais zoomer un peu pour ceux qui veulent utiliser directement le lien. Voilà. C'est Zenus.com. /API-client. Ça, c'est après avoir créé un compte. Voilà, maintenant là, vous allez voir ici New API client. Vous allez cliquer là-bas. Voilà, maintenant là, vous allez donner un nom. Par exemple, vous pouvez juste vous donner votre nom. Voilà, moi c'est Outman DevSec. Voilà, et ici vous donnez juste un URL. Par exemple, je vais faire HTTPS 2.2.2. Je crois que c'est comme ça. Les HTTPS, attendez, je vais vérifier. Voilà, c'est 2.slash. C'est 2.slash. Voilà, 2.2.slash/. www. Bon, moi je vais donner ma chaîne YouTube. Voilà, vous donnez juste un lien. Voilà, quelconque. Maintenant, save. Point. Là, je vais faire devsec. Outman DevSec, autant pour moi. Outman DevSec. Voilà, maintenant je valide. Voilà. Maintenant là, pour le moment, vous allez rester là. Ensuite, on va générer, autant pour moi, on va générer accès token ici. On va cliquer ici. Voilà, et on va copier celui-là. Voilà, on le copie. Maintenant, on peut aller commencer le code. Maintenant, on va ouvrir notre éditeur. Voilà, je vais créer un fichier que je vais appeler petit projet. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui vont venir de ce genre-là. Et je vais créer lyrics.
lyrics sont pointus. Voilà. Maintenant, première chose à faire, c'est quoi? C'est d'importer notre bibliothèque lyrics. Lyrics sont. Lyrics Genius, autant pour moi. Voilà. Maintenant, on va mettre l'API. Bon, tout à l'heure, on avait copié l'API. On va la coller juste ici. API case. Maintenant, on va le coller. C'est-à-dire ce qu'on avait copié ici. C'est ça. C'est le client accès token. Celui-là. Pas le client secret, ni le client ID. Mais le client token. C'est celui-là que vous allez copier. Voilà. Maintenant, là. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, Zenith. C'est juste une variable. Voilà. Zenith est égal à. Est égal à, par exemple, lyrics genus. Voilà. Point genus. Et on va renseigner notre API key. Voilà, clé API. Ensuite, on va demander à ce que l'utilisateur saisisse son un nom. Par exemple, là, on va dire, par exemple, input. Excusez-moi. Par exemple, là, on va dire, donner. Le nom de l'artiste. Voilà. Maintenant, deux points. Ensuite, on va dire artiste. Artiste est égal à Genus. Point. On va rechercher. On va appeler la fonction recherche. Maintenant, là, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On pouvait rechercher l'album. On pouvait rechercher tout, on pouvait rechercher les articles, les artistes, l'artiste son. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses que vous pouvez faire. On pouvait rechercher aussi vidéo et tout ça. Voilà, mais nous on va rester juste sur recherche artiste. Voilà, vu que c'est le nom de l'artiste ici qu'on voudrait récupérer. Ensuite, on va demander à ce que l'utilisateur, par exemple, comment dire, renseigne par exemple le son, on peut l'appeler son. Voilà, son est égal à, pas son, son c'est bon. Maintenant, input, on peut mettre par exemple titre, donner le titre du son. Voilà. Voilà. Maintenant, une fois le titre, parce que un artiste peut avoir plusieurs titres, par exemple plusieurs morceaux. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il faut préciser lequel de ces morceaux vous voulez avoir son lyrics. Maintenant, vous allez faire son est égal à, par exemple, artiste point son. Voilà. Maintenant, et on va mettre son. Voilà. Maintenant là, on peut afficher maintenant le résultat. Son. Point lyrics. Son point lyrics. Voilà. Maintenant là, si je compile. Bon, je vais commencer par exemple Wally 7. On va patienter. Voilà. Bon, je vais fermer ça. Voilà, il a chanté Regintas, Urus, Natural Love, Alhamdulillah. Quoi encore? Urus version Balak aussi. Voilà, Myrna. Actuellement, je ne sais pas quoi. Maintenant là, il y a ces morceaux qui sont là. Par exemple, si c'est Myrna qui m'intéresse, je vais juste renseigner Myrna. Voilà. Et voilà, les paroles sont là. Je vais remonter un peu en haut. Bon, voilà. Il dit Myrna, je ne sais pas là. Voilà, c'est écrit en Wolof. Voilà.
Cette Luna, voilà. Maintenant, on va prendre par exemple, quelqu'un connu en français, peut-être pour tester. Yaki, bon, je vais aller sur YouTube. Voilà. Je vais voir comment on écrit Aya Nakamura. Parce que je ne sais pas comment l'écrire, sincèrement. Bon, Aya, raison, Aya Nakamura, Aya Nakamura, c'est comme ça. Je vais copier le nom. Voilà. Maintenant, je vais venir le coller ici. Aya Nakamura. Voilà. Maintenant, déjà, il va nous lister tous ces morceaux qui sont disponibles ici, en fait. Voilà, il y a Jaja que je connais bien. Voilà, il y a, voilà, on va attendre. Il y a Pookie. Voilà. Il y a Copine. Voilà. Il y a quoi encore? Voilà, c'est lui qui fait ce travail. Moi, je touche rien. Hein, voilà. Il y a comportement. Il va déjà nous énumérer tout. Voilà, c'est à nous après de décider quel est le morceau qui nous intéresse. Voilà, et tout ça. Et du coup, on écrit juste le nom du morceau. Après, c'est parce que là, il nous demande de donner le titre du son. Voilà. Ensuite, on va juste vérifier comment on l'a écrit textuellement. On le met. C'est pour que l'utilisateur ne puisse pas. Le mot, il peut le tolérer. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai écrit Aya Nakamura, il m'a précisé que le A, c'est en majuscule, le N, c'est en majuscule. De même que Wally, j'ai mal écrit en haut. Je vais revenir juste en haut. Voilà. J'avais écrit Wally sec tout simplement. Il m'a dit c'est Wally B.sec. Voilà. Ça veut dire Wally Balago sec. Ouais. Donc, du coup, c'est juste pour vous montrer que. Voilà, lui il corrige les noms, mais quand vous vous trompez au niveau du single, voilà, c'est autre chose. Au niveau du morceau, si vous vous trompez, il va pas vous afficher le résultat parfait. Voilà, et ça lui il a beaucoup senti. Hein. Voilà, il y a beaucoup de ces morceaux qui sont déjà disponibles sur Genius. Voilà, et ça prend du temps. Et notre roi du Malabo aussi, Youssoundour, a pas mal de morceaux ici. Voilà, ça peut. Vous pouvez avoir tous ces lyrics. Voilà, il y a 30 morceaux déjà. Je croyais que ça allait pas, t'avais pas de santé, tout ça là. Mais bon, on patiente. Je sais que bientôt ça va prendre fin. Voilà. J'aurais dû prendre quelqu'un moins connu. Voilà. Comme ça va pas sûrement prendre trop de temps. Voilà, parce que là. Dès lors que ça commence à énumérer, si je l'interromps, voilà, c'est fini. Je pourrais pas mettre, il va pas me demander le son. Voilà. On patiente. Mais aussi, une chose, vous pouvez éliminer celui-là, comme ça. Par exemple, non, pas celui-là. C'est important. Il va falloir qu'il énumère tout ça. C'est ça le souci. Bon, on patiente. Bon, je vais mettre la vidéo en pause le temps qu'il me il menu, comment dire, il énumère tous les sons de Aya. Et je vais revenir pour continuer la vidéo avec vous. En tout, on a pu récupérer 72 morceaux d'Aya. Maintenant, je vais peut-être prendre celui-là, Dja, le plus connu. Voilà, je vais le mettre là pour avoir Dja. Maintenant, il est là. Il y a tous ces paroles qui sont là. Et ça commence par O. Voilà. L'intro Aya Nakamura Hoyez. Non, pas si. Voilà. C'est ça. Ça commence par là. Hello, papi. Mais que pas ça. Bon, ça c'est, je crois, c'est là où il parlait avec son père, je ne sais pas avec qui, au téléphone, si je me trompe pas, parce que ça fait un moment, voilà, j'écoute plus ces trucs-là, quoi, la musique et tout ça. Maintenant, j'aurais pu t'afficher, c'est pas mon délire, voilà, d'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit, voilà, ces trucs-là, en fait, voilà. C'est comme ça que vous pouvez récupérer tous les risques, vous pouvez le copier aussi, voilà, si ça vous sente, et le mettre sur Word. Voilà, comme ça, si vous êtes fan des paroles, voilà, vous pouvez prendre votre temps, l'apprendre et tout ça. Voilà, je sais qu'il y a certains qui vont aimer ça. Qui vont aimer ça.
Mais si c'est la fin de la vidéo, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.